بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خذ منا مرض مفسدة نواقض مفترات، هذا كله قد يبقى. ما الفائدة من معرفة مفسدات الصيام أو المفترات؟ ما الفائدة؟ هذا أهم ما يكون في الصيام حتى لا تأتي المفسد تكون الصيام متردد. وهي مفسدات في
فمجرد ما يؤذن لا تفطر، تفطر مباشرة. نعم. Il fait de rompre le jeûne doit avoir lieu directement lorsque l'adhan arrive à la fin. Il ne doit pas le retarder. Il doit retarder par contre la collation qui précède la journée du jeûne. Il faut donc recommander de précipiter la rupture du jeûne lors de l'adhan arrière du Maghrib et de retarder la collation avant le jeûne. يستحب له أن يفطر عليه. إلى رمودي رمجه سوى. على رطب. sur des dates fraîches et mûres. إذا يقدم رطب. premièrement il lui recommandé de rompre le jeûne avec des dates fraîches et mûres. ما هو رطب؟ qu'est-ce que les dates fraîches et mûres؟ قبل أن يطيب تطيب الثمرة التي تخرج من النخلة للأكل هذه يعني لا تصف للأكل مرة. نعم. كذا تصير بوس avant qu'elle ne soit mûre elle n'est pas bonne à manger elle est amère. وبعد أن تطيب للأكل دون أن تصبح للتخزين فهذا يعني هذه مرحلة تسمى مرة. كذا تصير بوس qu'elle devient bonne pour la consommation. Et avant qu'elle ne soit trop vieille pour être conservée, on appelle le retard et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus bonne. Donc elle est au milieu de son évolution. Et donc lorsqu'elle est bonne, elle est assez vieille pour qu'on puisse la conserver, on appelle la retard date. La tradition du prophète alayhi salatu wa salam est de rompre le jeûne avec des dates très très chérieux pour la mort de l'étape intermédiaire. Si ne trouve pas, ce sera avec des dates donc plus vieilles, celles qui sont bonnes à conserver. Si ne trouve pas, avec de l'eau. ما لديهم طعام برتقال او تفاح او لحم او مسمن. إذا كنت طالب فسكيلا لن نشوف دراسة كوميد لأن الأورانج دراسة كوميد تروز دراسة كوميد. فإن لم يجد لم يكن لديه طعام. سيلا بل نجم. يعني يفي لا تسوق لروح الجو. حتى يطبق السنة في تعليل الفطر. أفاق أكثر التراديسيون بروفيتيك من مثل بريسيبيتي لا بكتير دو جو. والسنة في السحور et la tradition prophétique dans la collation qui précède la fin du jeûne et donc de prendre une collation avec des dates aussi propices à la conservation. De quoi donc qui est recommandé pour le jeûne? Du'a, la vocation, وذكر الله, évoquer Allah, وصلاة التراويح, la prière de التراويح. جواب الخير من الله.
لماذا؟ لأن الصيام قام يذكر بحال الطاعة. طيب نعم. لقد سمعت بالحديث من رجال مجيب الكوفة عليه الصلاة والسلام يتلقى سيدي dans durant le mois de Ramadan, car ceci nous rappelle l'état du pauvre, alors qu'on s'habille, on donne plus durant le mois de Ramadan. Okay. Quoi d'autre? Donc, l'i'tikaf, la retraite spirituelle durant les dernières nuits de Ramadan. Le fait de rechercher la nuit du destin. Okay. Quoi d'autre? Le fait de jeûner les cours des jours
droit de porter le hijab, car le hijab fait partie des actions vertueuses qui sont légiférées durant ces jours-ci, sans préciser que c'est une action accomplie par elle-même durant ces jours-ci, car il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là d'après le prophète, par les salafs. بقي معنا صيام داود عليه الصلاة والسلام صيام يوم وفطر يوم نعم تعيد جديد نعم donc premièrement jeûner lundi et jeudi lundi et jeudi الاثنين والخميس والايام البيض او ثلاثه ايام كل شهر في اي يوم من الشهر soit trois jours n'importe quel durant le mois, même les trois jours dont les nuits contiennent la fin de nuit. Six jours, le Shawwal, le mois du Ramadan. Le 9e, 10e et 11e jour du mois de Muharram, la belle Ashura. Le jour de Daoud, alayhi salam. Le jour de la journée. صيام محرم وشعبان. صيام محرم وشعبان. صيام عشر دخل تحت الأعمال الصالحة، لم يثبت شيء في تخصيص هذا الأيام الصيام. نعم. وفات جوني جوان اي تي بومي جو في مواد الحجة. عرف ما شو تشوف في مواد الحجة. عرف هذا ما يدفع. صيام عرف نعم. وفات جوني جوان اي تي بومي جو في مواد الحجة. صيام ست من شوال. يسجد من شوال. متى تصام؟ كم تسجد الجنة؟ في شوال. ما شوال. الأول أن تصام بعد العيد يعني في اليوم الثاني من الصيام هذا الأول. نعم. La priorité est le mieux est de jeûner ces six jours-là directement après le jour de l'Eid. C'est le but. Car il y a dans ce cas la précipitation vers le bien. Et on va voir. On peut retarder le jeûne et être incapable de l'appliquer au moment. Là, il y a un jour, pas de sang en avant de garde. Et l'obligation d'avoir. Accompli le mois de Ramadan complètement avant de faire les six jours du mois de Ramadan. Car s'il lui reste des jours accomplis du mois de Ramadan, le hadith en question ne s'appliquera pas sur lui. Le hadith dit celui qui a accompli le jeûne du mois de Ramadan, il a fait suivre par six jours du mois de Ramadan. Donc s'il n'a pas jeûné le mois du mois de Ramadan complètement, le hadith n'est pas sur lui. Donc obligatoirement, commencez par le jeûne obligatoire avant de faire le jeûne obligatoire. Demande aussi au Barakallahu Fikoum de garder des enfants et de leur faire se taire en ne sortant plus Barakallahu Fikoum. Faites comme ça. Taïb. Le jeûne de Détestat. Bismillah. As-Siyam al-Makrouh. Mahou. Quel est le jeûne de Détestat? Siyam al-Makrouh. Bismillah. Siyam al-Sabt. Le fait de jeûner le jour du samedi. Wa ibrah al-Jum'a al-Siyam. Le fait de particulariser le vendredi dans le jeûne, dès que le jour du vendredi. As-Siyam al-Makrouh. Taïb. Le jeûne de Détestat. طيب ذكرنا فيما تقدم الاولى بمشاهده الصيام على ما يشق عليه طيب صيام الحرم Le jeûne de celui qui voyage alors c'est une difficulté pour lui. Maintenant passe au jeûne interdit. قال ما يذكر في الصيام المحرم يذكر لنا اربع اشياء. Celui qui nous dit au milieu des exemples de jeûne interdit, il nous dit au minimum quatre choses. Ah, pas le chef. Minimum. Manière. Manière de dire Siyam al-Haram. Bismillah. Siyam al-Dahan. Mansam al-Dahan. Mansam al-Dahan. Le fait de jeûner continuellement, sans le rond, celui qui a jeûné continuellement tous les jours, il a déjeuné, il n'a pas plus son jeûne. Affaire.
سيغدهم حرم لا شك فيه ان شاء الله والله اعلم. الثاني صيام يوم العيد. فاتو جديد يوم العيد. اي عيد؟ عيد الام. نعم اهل الاسلام عندهم كم عيد؟ اذا صيام يوم العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى. طيب عيد الفطر يوم les deux jours de l'Eid, les deux fêtes des musulmans, le Eid, la rupture du jeûne à la fin du premier jour de l'Eid, la Shawwal. Et le fait de la fête du sacrifice et de la harpe et les jours qui suivent les jours. Durant le jour de la fête du sacrifice et durant les trois jours qui suivent, qu'on appelle le jour de Chir, pour sauf pour le pèlerin qui n'a pas trouvé de quoi faire une offrande de sacrifice ou de ménage. Et il a interdit de jeûner le jour de Arafah, pour celui qui veut le ménage. Et il est recommandé pour celui qui veut le ménage. Quel est le jugement de l'Omar de Fitr?